Et nous revoilà donc pour la suite d'Hotel of Symphonia, donc portage sur, sur PC. Donc c'est pas un émulateur, hein, je rappelle, c'est bien le portage sur PC, disponible sur Steam. Et franchement, 20€ pour un jeu pareil, ça vaut vraiment la peine, largement la peine. Alors, je ne vais pas aller par là, sachant ce qui va s'y passer. Donc on va se balader un peu dans le village. Alors, la plupart des portes sont fermées, hein, comme ici, normal. Hein, tout le monde s'enferme chez soi. Il y a des gens, ils sont là, ils sont très dangereux. On peut pas piquer une serviette. Là, tu as besoin de quelque chose chez moi? Ah non, pas vraiment. On est censé aller au temple, allez. Au cas où tu aurais oublié, il faut prendre la sortie au nord pour y aller. Et après, c'est juste en haut du chemin. Ouais, mais je voulais vraiment aller chez toi. Oui. Franchement, ça va, quoi. Ils ont un petit étang de petits poissons, comme ça. Ils sont peinards, quand même. Hein. Alors, du lit... Mmh. Ouais, c'est comme je disais hein, dans le premier épisode, hein. Y a pas de toilette. Alors, c'est fermé. C'est même les armoires, elles ont peur des déviants, tu vois, elles se ferment. Les sortes de petits bilboquets ici, qui en fait l'arme de Ginés, qui en fait, comme ils le disent dans le jeu, des Kandama. Donc je ne sais pas si c'est la traduction en japonais, mais voilà. Kandama ou bilboquet, ça fonctionne. Alors, ici, à examiner. Bah, dis donc, ils ont l'air compliqués, ces livres. Elle lit toujours des bouquins comme ça, le professeur? Ce sont les miens, Lloyd. Ok. Ce sont les vieux livres de Rain, mais ils sont si intéressants que j'ai envie de tous les lire. J'ai peur de savoir en fait le sujet. Je sais bien que Lloyd est un peu trop débile, mais lui est peut-être un peu trop intelligent en fait. Ok, je pense qu'il n'y a plus rien à découvrir par ici. Voilà, désolé, petite interruption momentanée. Alors, que se passe-t-il de ce coup-là? C'est moi qui ai frisé. Ah non, c'est bien le personnage. Ouais, ici vous voyez que c'est bien rond, mais il faut pas oublier que les jeux à l'époque étaient faits qu'avec des polygones et ça donne cet effet dégueulasse un peu. Je vous demande de ne pas en tenir compte. Il y a une sortie par ici. Il faut prendre la sortie nord pour aller au temple, c'est ça? Ok, un peu Trigger Head. Il y a personne par ici. C'est fermé. Alors. Ça, c'est le magasin. Il est toujours ouvert, quoi qu'il arrive. Bienvenue au Halo. Halo? Halo? Non. des loupes magiques, je vais en pour 100 pièces, Chakra, Nova, il est marqué. Alors, je vais diminuer, ça va être un peu dégueulasse, je vais diminuer un peu la caméra, voilà. Alors, il est marqué tout simplement Kandama, anneau et duo d'épée. Duo d'épée, donc double sabre. C'est pas que vous prenez une épée différente pour chaque main, ça c'est simplifié à ce niveau-là, c'est pour Lloyd uniquement. Les fioles vitales, ça c'est pour vous ranimer un personnage, si un de vos personnages est KO et qu'il vous reste encore un autre personnage en vie. Restaure les PM, les points de magie max et les points de vie max. Assez simple, même fonctionnement qu'une potion. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris des loupes magiques? Parce qu'en fait ça me permet tout simplement de... il ne marque pas dans les infos. Pour analyser les PV et les attributs de l'ennemi. Alors il faut savoir aussi que c'est pour augmenter en fait le compendium, avoir plus d'informations dans le compendium, dans l'inventaire ennemi qu'on aura plus tard. Mais commencer maintenant va me permettre de compléter.
Alors, ça, c'est des ingrédients, oui, parce qu'on peut faire de la cuisine aussi dans le jeu, qui est même intéressant dans certains combats assez hard. Ainsi, à la fin de chaque combat, vous pouvez, hop, vous cuisinez un peu. Merci beaucoup. En fait, plus vous rajoutez des ingrédients secondaires en plus, ça vous permet d'avoir des bonus supplémentaires, que ça passe par les points de vie ou les PM restaurés. Ça peut aller aussi dans des bonus genre ah ben il n'y a pas de monstre aléatoire qui vient sur vous pendant X secondes. C'est fermé. Oui, d'ailleurs, est-ce que chez Colette, c'est-à-dire juste ici, près du puits, on peut entrer? Oui, on peut entrer. On va visiter la maison alors. Hein. Franck, mon ami Franck, vous allez bien? Tenez, l'esprit. Ah, intéressant. Ça d'ailleurs, c'est vrai, je ne l'ai découvert que très tard en fait. Ce personnage-là peut nous soigner. Et avant, moi en fait, ce que je faisais, c'est. Oh, je fermais vite les monstres pour aller chercher des potions et me soigner comme ça à l'arrache. Mais en fait, on avait juste un soigneur juste ici. Alors, il n'y a rien à examiner par ici. Ok, on va monter à l'étage. Ah, une bibliothèque. Je me demande si ces livres renferment des indices sur la régénération du monde. Pourquoi pas celui-ci, les enseignements de Martel? Voyons voir. Chapitre 1, la fondation de l'église de Martel. Toute étude sérieuse de l'église se doit de commencer par une leçon sur la régénération du monde. Peut-être connaissez-vous déjà les légendes. Au centre du monde poussait autrefois un puissant arbre dont le fruit était le mana. Alors, au centre du monde, il faut. Ça, c'est bizarre. Il faut penser que c'est une terre plate, mais le centre du monde ne signifie pas. Enfin, non, pas une terre plate, hein, une planète ronde. Je dis n'importe quoi. Mais en fait, ce n'est pas le centre du monde à l'intérieur de la planète, mais le centre du monde là où. C'est un peu bizarre parce que ce n'est pas vraiment ensemble du coup, mais on va dire, il se pose à un endroit et en fait, le monde se trouve autour de l'arbre. C'est un peu romancé en fait, mais réellement, il ne se trouve pas au centre du monde, vous comprendrez plus tard. Mais les flammes de la guerre firent dépérir l'arbre et ce fut la vie d'un héros librement offerte. Et ce fut la vie d'un héros. Librement offerte que devint le mana. D'accord, donc un héros a été sacrifié pour refaire venir du mana. Profondément ému et attristé par ce sacrifice, la déesse se retira dans sa demeure céleste. Un ange apporta son message au monde. Si je dors trop longtemps, toute la création s'écroulera. Il vous faudra me réveiller. L'ange donna naissance à l'élu, qui chercha la tour vers le ciel, et c'est ainsi que le cycle de la régénération commença. Voici comment débute la légende la plus remarquable sur les origines du rituel. Oh, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Sérieusement, Lloyd, on l'a appris le matin du jour de la prophétie. Ouais, d'accord. Il l'a appris aujourd'hui, il s'en souvient déjà plus. Bon, c'est la deuxième fois que j'entends parler de ça. Ma pauvre sœur. Un mauvais élève, ça, pas possible, mais. Je vous dis, il a un charme, ce Lloyd, qui fait que, malgré ses défauts qu'il a dans plein, plein de domaines, il est très plaisant à jouer et à écouter et en écouter l'histoire. On va sauvegarder sur un placement. Hein. Voilà, les premiers combats. Initiation au combat, waouh, c'est un monstre, hop, bazar. Alors il faut taper avec l'épée, ouais. Je pensais que la région nord où se trouvait le temple était un sanctuaire. Alors pourquoi? Ça doit faire partie de l'épreuve de Martel, car il faut combattre des monstres. Pas le temps de bavarder, débarrassons-nous de lui. D'accord. Alors, je vais vous montrer, basiquement, vous avez des arts en fait. Les arts, connaître sont des techniques. Qui vont de attaque spéciale de niveau 1,
2, 3, combiné, spécial. C'est... Alors, moi... type de commande, j'aimerais bien en mettre en manuel total. Le semi-auto, je conseille pas trop. Parce qu'en fait, il vous... Il vous permet de vous défendre automatiquement, parfois d'esquiver, et aussi vous appuyez sur K, et en fait votre personnage il fait toute la map pour aller taper l'ennemi. Ça perd un peu de... C'est possible à jouer, mais c'est plus trop maniable. Alors les arts sont tout simplement des attaques toutes différentes, bien sûr, on en apprend... d'une cinquantaine par personnage au bas mot, et franchement il y a moyen de faire des sales combos, surtout que vous verrez plus tard que il y a bien des il y a des gemmes X qui s'appellent ça, qui vous permet en fait de modifier un peu l'effet des arts, et qui vous permet de faire encore plus de combos, plus de dégâts, parfois une autre apparence seulement, mais en général ça ne s'arrête pas juste à l'apparence. Basiquement, voilà une arme. Les ennemis aussi peuvent se défendre. Voilà. Voilà. Aucun dégât. On gagne en fait des primes en points, comme vous voyez, donc tout simplement sur l'écran, les points. Alors on peut cuisiner, ça ne sert à rien que je cuisine car je suis point de vie maximum. J'ai gagné 8 points d'XP, j'ai fait 4 coups. Et le combat a duré 10 secondes, 76. Désolé pour les Français. Trop facile. Lloyd, tu es formidable. Je sais. Ah merde. Ah, tu sais, c'est à ça que je le dois en fait. Ah, c'est vrai, l'exfer. Vous apprendrez c'est quoi l'exfer. Oui, elle est conçue pour le combat et développe ma force maximale. C'est pas vraiment ça en fait, hein. C'est un peu plus complexe que ça, mais je ne vous spoil pas bien sûr, mais c'est un vrai bijou ce truc. Sans elle, je ne serais rien, surtout qu'il y a une lourde histoire dans les exfères. Hein. Mais tu es fort quand même, Lloyd. Oui, au moins il manie bien l'épée. Comment ça, au moins évidemment, c'est à la tête de la classe que tu parles. En voilà un autre, allons-y. Attends, Lloyd. Le professeur a dit que la magie est plus efficace sur les attaques physiques sur les monstres immatériels et les esprits. Vraiment ? Eh ouais. Bon, alors je laisse le fantôme à Genis. Alors, avec l'habitude, comme moi par exemple, je sais bien quel monstre est immatériel, fantôme, bête, etc. Voilà. Donc là, il explique. Alors, c'est pour ça qu'en fait, les loupes que j'ai pris, les sortes de loupes, permettent en fait d'analyser les ennemis, et en fait avec l'inventaire ennemi de pouvoir analyser son ennemi, connaître son ennemi pour mieux le vaincre par la suite. Alors hop, objet, Lloyd, donc là je mets pause, je fais objet, je sélectionne l'utilisateur, Lloyd, sur, ah, je n'en ai pas pris, merde. Tant pis, ce sera pour une autre fois. C'est quand même bizarre, j'en ai pas pris. Bon, au pire, c'est pas grave, j'y reprends juste après. Mais basiquement, ils vont juste vous dire, voilà, tel monstre a autant de PV, autant de PM, il est immatériel, il a telle faiblesse, il a telle résistance. Alors, évidemment, je suis un mauvais élève. Ah. Voilà. Bon, évidemment, c'est pas pour autant que vous ne faites pas de dégâts. Alors ici, je vais cuisiner et vous allez voir. Ah, frappe des trajets, j'ai obtenu un titre. Je vais devoir, je rappelle à l'épisode précédent que avoir un titre permet d'augmenter les statistiques. Surtout qu'il me semble que je n'ai pas augmenté de niveau, donc ça va être intéressant. Quoi. Je cuisine, voilà, ok. Vous avez réussi à préparer sandwich, et donc... Ouais, je crois que ça ne donnait que des PM, donc j'ai fait ça pour rien. Mais basiquement, voilà. Désolé, petite interruption. Trois fois rien. Mais petite interruption urgente quand même. Alors, c'est important de choisir la cible avec soin quand les monstres sont nombreux. Et c'est vrai. En fait,
C'est négligeable au début de partie, mais vers la fin de partie, c'est très intéressant de connaître les faiblesses ennemies. Et c'est d'autant plus important quand il faut aider un allié dans une position délicate. Et c'est vrai aussi, hein, parce que mine de rien, on dit ouais, mais il n'y a pas de repositionnement, mais en fait, c'est faux. Il y a vraiment, comment dire, je vais pas dire toute une technique, mais toute une manière de combattre, c'est, si je puis dire, dans Tales of Symphonia. Allons au temple. Oui, ok. Alors, du coup, je vais aller acheter des loupes. Mais sûr que je ne les ai pas. Oui, bah, j'ai dû ne pas appuyer sur le bouton acheter. Tout simplement. Bienvenue au Halo. Achat, loupe magique. Êtes-vous d'accord? Oui. Alors, est-ce que je l'ai dans mon inventaire? Ouais, voilà. De toute façon, je vais. C'est des monstres qu'on rencontrera encore par la suite, donc je pourrais les analyser sans aucun problème. Vous verrez, de toute façon, je vais faire une utilisation en tout. Sauvegarder souvent, c'est une. Comme dans tout bon RPG, j'ai envie de dire. Alors, on ne peut pas sauvegarder. La cinématique. Ça ressemble à quoi le temps? On n'est jamais rentré dedans, alors on est tout excité. Il fait assez sombre parce que la lumière du soleil n'y rentre pas. Pas trop cool. C'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Je suis pas vraiment rentré dedans, moi non plus. J'ai trop hâte d'y être. Si seulement tu pouvais être aussi enthousiaste tout le temps, à savoir comme à l'école. Puis ça ne dit rien. Alors. On ne peut pas sauvegarder dans tout ce qui est ville, donjon, etc. Sauf si on a un cercle mémoriel, comme j'ai sauvegardé auparavant. Alors, une fois que vous êtes sur la carte, normalement, si je me souviens bien, on peut sauvegarder, oui. Voilà. Alors, je vais configurer le jeu, quitter le jeu. Je vais fermer un. Basiquement, on peut tourner la caméra. Il n'y avait pas un petit coffre par ici Je me souviens qu'il y a un petit coffre quelque part. Et qui n'y sont ? Alors. Le faucon il me focus donc. Donc je préfère le tuer en premier. Voilà, aucun dégât. Voilà. C'est le principe de savoir. Savoir qui attaquer et comment en fait. Connaître son ennemi dans Tales of Symphonia est assez important. Si vous voulez vous prendre le moins de dégâts possible, du moins. Alors. Ici, je préfère tuer le lapin. J'ai vraiment une plaie, mais. Et voyez, le faucon, une fois à terre, il doit se reprendre son envol, donc il y a moyen. Je n'ai pas réussi à préparer le sandwich, c'est dommage. Du coup, vous voyez que Génis. N'a pas beaucoup de gelée de pommes. Bon, c'est pas grave, je vais quand même lui en donner une. Pas trop perdre de temps. Ah, un ennemi grand. Alors, vous voyez bien sûr que c'est pris. Ce sont des monstres un peu aléatoires comme ça qui arrivent sur la map. Et vous ne savez pas trop à quoi vous attendre. Raté. Ah merde, raté. Voilà, c'est fini. Ça va, je n'ai pas gagné de niveau. Je vais vite mettre mettre le titre à Lloyd. Frappe Tetra, oui, empoté. Et lui n'a toujours rien. Bon. Alors, on va XP un peu le personnage, ne serait-ce que le faire monter de un niveau. Ça serait intéressant. Ici, j'ai préféré frapper le loup pour des questions de positionnement par rapport à mes alliés. Après, le faucon, ça devient assez facile. Dit qu'on a une chose. La justice et l'amour triomphent toujours. Le dit qu'on a numéro 7, il me semble. L'amour et la bonté l'emportent toujours. Suivant 149. Colette va bientôt passer niveau 2. Moi, je crois que ça va prendre plus de temps pour Lloyd.
On va prendre des gros monstres, hein, ça rapporte plus d'XP. C'est aussi vachement plus dangereux. Ouais, le frelon. On disait que le frelon. Le frelon est horrible. Ah merde! Ah, je vais mourir. Ah non, mais génie, c'est mort. Ah non! Je suis vraiment une tanche! Ah, c'est le début de jeu, ça peut arriver très souvent, faut pas croire. Hein. C'est. En revanche, j'ai perdu des points parce que j'ai des alliés qui sont morts. Alors je vais éviter. Voilà, je vais retourner à Izelia, vite soigner mes personnages. Vu que je sais bien que maintenant lui nous permet de nous soigner. Allez, tenez, laissez-moi vous soigner, soin prodigué, voilà. Génisse n'a pas... En mourant, le personnage ne gagne pas d'expérience, c'est un problème aussi. Hein. Mais ça peut être aussi une technique pour réguler, si vous êtes vraiment maniaque, réguler le niveau des personnages. Toujours un petit sauvegarde. Et en fait, je crois que je vais terminer là. Je pense qu'on est presque dans les 20 minutes, du moins. Donc, au revoir et à un prochain épisode.